Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc les enfants, vous vous souvenez, on avait parlé l'autre jour de l'importance de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez ou pas? Oui. D'accord. On avait cité l'importance de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, on passe à la page 48. 48. Et on va, donc la question c'est, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh, c'est Allah. Non, Allah c'est pas le prophète. Allah c'est lui qui a choisi le prophète. Mais avant de répondre à cette question, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va d'abord parler de l'importance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'Allah Azza wa Jal, il a créé la terre et il a créé des gens sur cette terre. C'est nous. Et nous, on a des besoins. Qui peut me dire c'est quoi nos besoins? L'être humain, pour vivre, il a besoin de quoi? Oui, Rahima. Alors, il a besoin de manger, de boire, de respirer, très bien. De prier, très bien, oui. Oui, très bien, de se reposer, de dormir, très bien, on a besoin du soleil, on a besoin de la lune, on a besoin des arbres, on a besoin du vent, on a besoin de la vie, on a besoin de la pluie, toutes ces choses-là, on en a besoin, d'accord. Mais sachez qu'il y a une chose qu'on a encore plus besoin. Encore plus que de manger, que de boire, etc. On a besoin des prophètes. Parce que les prophètes, c'est qui? Ce sont les intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont transmis le message. D'accord. Allah Azza wa Jalla, il les a choisis pour nous transmettre son message et pour nous guider vers le droit chemin. Et sur tous ces prophètes, le meilleur des prophètes, c'est le dernier. Le maître de tous les prophètes. Le chef de tous les prophètes, le meilleur de tous les prophètes, les imams de tous les prophètes. Le plus fort de tous les prophètes. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed,
ibn Abdillah. Et Allah Azza wa Jal, il dit: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers l'univers. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour nous guider vers le droit chemin. Pour nous guider vers le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal, il l'a obligé à ses serviteurs, il nous a rendu obligatoire le fait de le suivre. On doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit lui obéir, on doit l'aimer, on doit le respecter. Donc on doit lui obéir. Répétez, on doit lui obéir. On doit l'aimer. On doit le respecter. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé avec la religion de vérité. Allah Azza wa Jal, il lui a envoyé avec le message clair, avec la guidée. Et Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé pour nous annoncer que l'heure approche, que le jour du jugement dernier approche. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, cela nous rappelle que le jour du jugement dernier approche. Également, il nous a laissé sur une voie claire, une voie droite, qui est la religion d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Est-ce que vous allez lui obéir? Oui. Est-ce que vous allez le respecter? Oui. Est-ce que vous allez prier comme il a prié? Oui. Est-ce que vous allez parler comme il a parlé? Oui. Est-ce que vous allez manger comme il a mangé? Oui. Boire comme il a bu? Oui. Dormir comme il a dormi? Oui. Être doux comme il est doux? Tout faire comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre exemple. C'est lui notre exemple. C'est lui notre modèle. Notre exemple, c'est pas les joueurs de foot. Notre exemple, c'est pas ceux qu'on voit à la télé. C'est pas eux les chanteurs et les chanteuses. Nous, on veut pas ressembler à eux. Au contraire, tout ce qu'ils font, nous, on veut pas le faire. Et des fois, ils font des coupes de cheveux bizarres. Nous, on ne veut pas faire la même coupe de cheveux que eux. Moi, vous, j'avais fait des fois, ils font des choses que nous, ce n'est pas eux notre modèle. Oui. Mais notre modèle, c'est Mohammed. Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'avais fait un copain de papa qui s'appelait Mohammed. C'est vrai, mais ce n'est pas le prophète. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le ciel. Non, il n'est pas dans le ciel, il est dans sa tombe, sous la terre. À Médine, juste à côté de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est mort, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais même qu'il est mort, eh bien, on doit le respecter et lui obéir. Donc, vous... Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est né où? Qui sait où il est né? Il est né à la Mecque. Très bien. Donc, on répète, il est né à Mecca. Et il est né durant l'année de l'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire l'année de l'éléphant, Marwan? Ça veut dire qu'il y a... Faisal. Il y avait un commandant d'armée qui voulait détruire la... Très très bien. Il y avait un monsieur qui s'appelait Abraha qui voulait détruire la Kaaba. Il voulait... détruire la Kaaba. La Kaaba, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal où Ibrahim et Ismaïl ont construit à la Mecque, où on tourne 7 fois autour de la Kaaba. Tu connais la Kaaba? Tu as déjà vu. Où on fait le Hajj, on le fait à Mecca et dans les environs de Mecca. Et lorsque Abraha il a voulu détruire la Kaaba, il est venu avec des éléphants pour casser la Kaaba. Allah Azza wa Jal, il a envoyé. Très bien qu'elle te met. Il a envoyé des oiseaux
et il a détruit l'armée. Et Inch'Allah, si on aura le temps, on expliquera, on vous expliquera cette histoire. D'accord. Des pierres pour qu'ils soient tous morts. Alors non, c'est pas des corbeaux, c'est des petits oiseaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Il est né un lundi, pendant le mois de Rabi'ul Awwal. D'accord. Alors le jour, on ne sait pas exactement. Là, il est marqué le 9e jour, mais on ne sait pas exactement le 9e, le 12e ou autre. Mais nous, on sait, on est sûr qu'il est né un lundi. On est sûr qu'il est né un lundi. Et il est né pendant le mois de Rabi'ul Awwal. Son père s'appelait Abdullah. Répétez Abdullah. Et sa mère, elle s'appelait Amina. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, son papa était mort. Ensuite, lorsqu'il avait 6 ans, sa maman aussi est morte. Ensuite, il a été récupéré par son grand-père qui s'appelait Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Son grand-père, il l'a récupéré jusqu'à ce qu'il avait 8 ans. Et à 8 ans, son grand-père est mort. Et il a été récupéré par son oncle, Abu Talib. Abu Talib. Et il est resté, il a grandi, il a habité avec Abu Talib. Et c'est Abdul Muttalib qui avait demandé à Abu Talib de le garder et de le surveiller. Et ensuite, il est resté avec Abu Talib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé avec Abu Talib. Il a appris à travailler dans le commerce, à vendre des choses, à acheter des choses. Il a voyagé vers la Syrie avec Abu Talib jusqu'il avait 25 ans. Lorsqu'il avait 25 ans, il s'est marié avec Khadija. Répétez Khadija. Khadija. Radiallahu anha. Ensuite, lorsqu'il avait 40 ans, c'est là qu'il est devenu prophète. Il est devenu prophète, il avait 40 ans. Et il est resté pendant 13 ans. À 40. Donc il est resté pendant 13 ans à la Mecque. Et pendant 13 ans, il appelait les gens à dire « La ilaha illallah ». Pendant 13 ans, il disait aux gens de ne pas adorer les statues, mais d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. D'accord ? Ensuite, comme à la Mecque, les gens, ils étaient méchants avec lui, des persécutions. Et bien Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné de partir à Médine. D'accord ? Il lui a ordonné de partir à Médine et il est resté 10 ans à Médine, donc de 53 ans à 63 ans, et il est mort à Médine. Il est mort à 63 ans et il est le dernier de tous les prophètes. Est-ce qu'il y aura un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. D'accord les enfants? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.